Bambang ya beto luzolo Yakele mfono mingi Ya kutubaka ndinda ya buwala Samuti yake kinkulu nange Ebala baba kongo kia mbote kienwe Le président Tombro Singa Son excellence Mama Pauline Vibudulu Tamba Ya busu Mambu masobele, mambu mangitu kolo Eki nkulu kia bambu takwelo siritio Elu santu laba kongo mwela yenda Twa ikiri na taluluza kila mumpina Ndinga kikongo yetifo bama diakako Ndinga kikongo yifila kani Twa longa anga bala ndinge Yoni ndinga ya tusisi laba mbuta zetu Twa longa anga bala kinkulu Kini kinkulu kia tusisi laba mbuta zetu Honorable Thomas Mundele Sila tamba Muntama teri kwenda kulukono Teri longu kalumbutu ye kikongo Muntama teri kwenda kulukono Teri soni kamikanda ya kikongo Twalunga anga bala ndinge Iyo ndinga ya tusisi na bambuta zetu Pajo Music Fisi CD Unaluosi Bashino wabayuza muma vatamento Bauba solanga vomandinga we Bashino wabaiza muma vatameto Ba uba zolanga tomandi ingawe Uba kwenda buba futuka imo Uba kwenda buba futuka imo Katinge mwana muko Uzola fuvanga ndinga kuko Nisoni mwonanga Ingenieur Claudine Simba Maître Kula Son excellence Kilem Panji Nitiba uizana kwa uba Yeda tunga gata dia umbumbu musitu Una musitu konzo muti na kumbu andye Una musitu konzo muti na kandari andye Wakaka senga, wakaka mbota Wakaka mfuma, wakaka mfilu Ameni bunta mbika tuiri kila Konzo bantu na ndinga we Bantanu lufoba nga kintanu Kamanyamba lufoba kimanyanga Bandibu lufoba nga kindibu Bamboma lufoba nga kimboma Baoyo lufoba nga kioyo Bayombe lufoba nga kiyombe Unindinga ya tusisi la bambuta zetu Honorable Pepe Mbuku Balele L'homme fort Bankaka kabaze vya lufila lwa uko Bankaka kabaze vya makanda mauko Amamu yula lufila lukatuka Boka futula mangala ngana yebite Boka futula mulumputu jene koneba Mani mona ngani momba lufoba nga Yedu le mwana kongo Ulusansu la tusisi la bambuta Wamamu yula lufila lukatuka Boka futula mangalanga na yebiteo Yindule Yendra kabilano Yulusansu na kusisi na bambuta Yindule mwanako Yulusansu na kusisi na bambuta Wamamu yula lufila lukatuka Boka futula murumputu jene konepa Yindule mwanako Yulusansu na kusisi na bambuta Yindule mwanako Son excellence Ndamba Moussoun de la perfusion Papa Ricky Ingenieur Yves Louyindoula Ya Mama Charlène Bakotila Fumanti wena tsende Fumanti wena tsende Fumanti wena tsende Kanti mbemba kamuna kanzende ko Buka kwenda buka kwenda buka futuka Mbemba fulukia ndipana mfuma Yeah 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 Mbemba kani wele kunduri kani fuma Fokuze ya lusatu lwa kuko Kini kinkulu kendo kasi sabambuta Yeah, 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 yeah Memba kani wele kunduri kani fuma Fokuze ya lusatu lwa kuko Kini kinkulu kendo kasi sabambuta Hey tata wayenda kuna belshige Wayenda zibangala kinkulu kia bambuta Hey mama wayenda mukinsasa Wafila kana kinkulu kia bambuta Wafila kana mitionde na bimpete Wafila kana bandiente na zimpuku Waikadianga bibuku vya madendo Bikuanga kukangi la musashe Neromba kulu kuna nguni Babamba kulu wadebo Le contact Son excellence Atuma Tubwana Kuluki Le gouverneur Piko Moussafra Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs fidèles téléspectateurs d'Oreb Télévision, nous vous disons grand merci de l'attention que vous avez toujours accordé à nous suivre à travers cette émission que vous avez toujours suivi la découverte.
Découverte, une émission produite et présentée par votre humble serviteur, Willy Massosa. Une émission à vocation culturelle, une émission qui vous amène sur terrain et pourquoi pas nous prenons le développement, le tourisme dans cette émission. De quoi allons-nous parler, mesdames et messieurs? Je sais que vous avez été très nombreux à nous suivre dans les rediffusions parce que vous m'avez beaucoup appelé au courant de la semaine, voire même la semaine passée. Donc, c'était des rediffusions parce que je n'étais pas sur place. Mais maintenant, là, nous sommes en direct à ceux qui veulent nous appeler. Vous avez les numéros affichés au bas de l'écran, les 089 13 95 903, les 089 13 95 903. C'est le numéro de cette émission Découverte. De quoi allons-nous parler ce soir, mesdames et messieurs? Nous n'allons pas plus loin parce que vous le sentez que nous venons de débuter l'émission un peu en retard suite à certains problèmes liés à la technique. Mais nous avons prévu vous balancer l'interview que nous avions recueillie sur terrain au niveau de Kinshasa parce que l'émission Découverte, nous faisons les voyages partout. J'étais à Mbata Kulunti où actuellement il y a même l'église catholique qui est allée là-bas. Il y a une forte délégation de pèlerins de l'église catholique qui se trouve à Mbata Kulunti. Ils sont allés prier, ils sont allés implorer la grandeur de Dieu dans ces sites hautement touristiques. Et là, nous sommes dans le secteur de Malélé, sur la route numéro 16 à Mbata Kulunti. Mais lors de mon passage sur cette route Angidinga, j'ai vu beaucoup de choses sur la route. À Malélé, j'ai vu des réalisations qui m'ont interpellé. Je me suis dit, il faudrait que je cherche les réalisateurs, les auteurs de tous ceux qui sont en train de promouvoir les territoires, la population du Congo central. Et voilà, à Kinshasa, je suis allé tomber sur ces grands notables de la province du Congo central que nous appelons Simon Mboso Kiamputu. Simon Mboso Kiamputu, c'est l'actuel président du conseil d'administration de l'Université Congo. L'Université Congo, que vous savez bien, c'est une institution de la communauté Congo. Mais je ne vais pas en parler par rapport à cette émission. J'aimerais que nous puissions suivre cette interview qui nous a été accordée par les PCIA de cette institution académique qui fait l'honneur de la province. Non pas parler seulement de cette université, mais lui-même, Simon Mboso Kiamputu, une icône de la province du Congo central qui inspire beaucoup de politiciens, beaucoup de jeunes politiques. Et là, je vous prie de suivre, de voir son cursus et de comprendre ce que l'homme politique peut faire, ce que l'homme du développement peut faire et pourquoi pas les intellectuels peuvent faire pour le développement. Je dis bien le développement de notre province, de notre communauté, et nous avons cette université qui fait aussi l'honneur de toute la République, mais qui est basée au Congo central. À vous la régie. Suivez. Bonjour, M. le journaliste Willy Massosa. Bien, là, ici, nous sommes au bureau de représentation de l'Université Congo, où je suis président du conseil d'administration de cette université communautaire qui appartient au peuple Congo. Je suis économiste de formation, consultant international dans les domaines économiques, les domaines des politiques publiques, des organisations. Et je suis aussi acteur politique, comme vous le savez. J'ai été député national de la circonscription électorale de Madimba. J'ai été ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises. J'ai été commissaire général au plan du gouvernement provincial du Congo central. Et je suis un acteur de développement. J'ai beaucoup travaillé. Et je travaille toujours dans
le développement de ma province, de mon territoire, de Madimba, mais même au-delà de mon territoire, comme consultant, j'ai beaucoup travaillé avec la Banque mondiale et j'ai implémenté des projets communautaires et des projets sociaux dans différents endroits, aussi bien dans mon territoire d'origine de Madimba. J'ai installé l'eau potable dans le secteur de Fidimalélé, je crois que c'est le seul secteur rural à ma connaissance où il y a de l'eau potable, donc j'ai pu négocier, obtenir un financement pour que leur régie des eaux installe des lots qui alimentent, qui desservent une population de près de 20 000 personnes. J'ai aidé à réhabiliter, à construire, à réhabiliter plusieurs écoles, les écoles primaires, secondaires, dans le territoire de Madimba, aussi bien à Guidinga, à Kipemba, dans d'autres coins du territoire de Madimba. J'ai aidé à réhabiliter, à équiper des hôpitaux et des centres de santé, l'hôpital général de Guidinga. Aujourd'hui, j'ai été l'initiateur de la création de la zone de santé rurale de Guidinga qui regroupe trois secteurs, qui sont celui dit Fidimalélé et Ungu. J'ai amené le premier médecin, j'ai amené les équipements pour l'hôpital, notamment la salle d'opération, ce qui a permis de ne plus devoir amener des malades jusqu'à Kisantu, parfois 80 km, parfois à pied ou à vélo. À l'époque, il n'y avait pas encore de moto comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens peuvent se faire soigner et opérer dans cette zone de santé. Il y a des médecins dans presque tous les coins aujourd'hui. J'ai pu faire installer beaucoup de sources d'eau potable. À Kinkosi-Luidi, où il y a un centre de santé aussi, où il n'y avait pas d'électricité, où il n'y a pas d'électricité, j'ai fait amener un groupe électrogène, une phonie, et une moto pour le médecin qui est là. Je l'ai fait aussi pour Nsona Limba, dans le secteur de Fumakibambi. J'ai amené un groupe électrogène. Il y a les médecins qui sortent de l'université Congo, qui sont pratiquement aujourd'hui disséminés sur l'ensemble de notre province et ailleurs. Je suis un des fondateurs de l'université Congo. Et la faculté de médecine qui fonctionne à Kisantu, c'est grâce au bâtiment. C'est moi qui ai donné les bâtiments, les gros des bâtiments qui ont accueilli cette faculté, qui a utilisé ces bâtiments pendant plus de 33 ans gratuitement. Et aujourd'hui, j'ai cédé ces bâtiments à un prix dérisoire, c'est juste pour, comme plus symbolique, pour permettre à l'université de devenir propriétaire. Et j'ai donc, voilà, un panorama général que je vous présente. J'ai contribué à d'autres infrastructures, notamment à l'Institut agronomique des Onfi, dans le secteur de Ungu, que j'ai aidé à réhabiliter, à équiper, qui forme des ingénieurs agronomes techniciens. Et aujourd'hui, l'ISAM, l'Institut supérieur des arts et métiers de Kisantu, fonctionne dans mes bâtiments. J'ai une grande salle dans la cité de la gare, l'espace Yamboso, où j'ai accueilli cet institut qui n'a pas encore de bâtiments propres.
Et donc, voilà un échantillon qui n'est pas exhaustif de quelques réalisations que j'ai pu conduire et rendre opérationnelles et à l'Université Congo pendant mon mandat, qui se termine à la fin de cette année-ci, ce mandat de 5 ans. Nous avons pu réaliser quelques actions phares. Nous avons pu achever les bâtiments facultaires sur le site de Louvaka, près de Mazamungu. Nous venons de terminer les sièges administratifs, un bâtiment de 3 niveaux qui va abriter tous les services administratifs et quelques services académiques de l'université. L'université qui a été jusque-là installée dans un bâtiment qui appartenait à un frère Congo. Maintenant, nous allons être dans notre bâtiment propre. Nous allons poser la semaine prochaine, je crois le 2 septembre, la première pierre de la construction du premier bâtiment facultaire tout près de Kisantu, sur le site de Luango. Nous avons un terrain de 16 hectares appartenant à l'université que nous avons pu cadastrer. Nous allons démarrer, notamment avec l'appui de quelques grands contributeurs. Il y a le patriarche Kindwelo qui nous a remis un chèque de $200,000. Nous attendons aussi une contribution du groupe MGT du président Lédia, et avec aussi des contributions, des cotisations des membres. Les Bakongo, nous avons instauré une carte des membres de l'Assemblée générale de l'université qui est vendue à $20. Donc tout le Congo est censé être propriétaire de cette université, mais il doit le concrétiser en achetant sa carte des membres et payer sa cotisation annuelle. Et ça va nous permettre de construire une université moderne avec des bâtiments appropriés. Aujourd'hui, nous fonctionnons dans des bâtiments comme ceux que moi j'avais mis à disposition, comme d'autres, qui étaient des bâtiments qui étaient au départ soit des bâtiments commerciaux ou des bâtiments domestiques. Mais là, ça va être une construction totalement conçue dans l'esprit des bâtiments universitaires. Nous avons donc, notre université vient de totaliser 33 ans et nous sommes la première et la seule université communautaire dans ce pays. C'est-à-dire une université qui n'appartient ni à l'État, ni à un privé, comme une affaire personnelle, mais appartient à toute une communauté. C'est un cas typique et unique. D'autres nous avaient copié, mais n'ont pas pu tenir. Ce fut le cas jusqu'au Bandundu, au Kassai. Même nous, au Congo central, l'université Joseph Kasavubu aussi, au départ, était une université communautaire. C'est devenu une université d'État. Nous sommes restés la seule université communautaire et nous tenons à cette identité qui est spécifique d'avoir une université qui appartient au peuple Congo et qui vit, professe et dissémine les valeurs Congo, les valeurs culturelles Congo, et qui contribue au développement de l'espace Congo. Nous avons organisé un grand colloque du 14 au 16 septembre 2022, donc l'année dernière, à Mbazaluvaka, donc au siège de l'université, un colloque sur le développement du Congo central. Nous avons eu le bonheur d'accueillir le gouverneur du Congo central, le président de l'Assemblée provinciale de l'époque, Jean-Claude Vuemba. Nous avons réuni près de 200 participants venant de toutes les catégories socioprofessionnelles, des
des enseignants, des professeurs, des chercheurs, des acteurs politiques, des acteurs sociaux, des chefs coutumiers, des représentants des administrations, donc des chefs, des administrateurs des territoires, et qui sont venus, et nous avons pu produire un document qui est maintenant sous impression, qui propose les pistes de travail pour développer notre province. Nous avons commencé par faire un diagnostic exhaustif et impartial de la situation de notre province dans les différents secteurs de son développement. Et donc nous avons donc à cette occasion notamment fait des recommandations sur ce que doit être la vision du développement du Congo central sous le thème de « Unis pour le développement du Congo central », tous les Bakongo unis pour qu'on puisse développer notre province. Nous sommes partis du fait que ce colloque était un moment important qui découle de la création de l'Université Congo. La création de l'Université Congo est pour nous le troisième moment fondateur dans l'histoire de notre peuple. Nous avons connu un grand moment à partir de 1921, déjà même avec l'action de Kimpavita, qui s'était révolté contre la colonisation à l'époque, les Portugais qui étaient venus occuper l'espace Congo, qui avait commencé à brûler nos objets d'art, tout ce qui est considéré comme des fétiches. Même les fétiches, ça fait partie de la culture, dans la mesure où tout ce qu'on appelle fétiche n'est pas malfaisant. Il y a des pratiques, des guérisons qui font partie de notre culture, qui n'étaient pas négatives. Il y a eu l'avènement de Simon Kimbangu, le prophète qui a annoncé la libération de l'homme noir, et qui a été déporté, emprisonné et mort en prison. Et il y a eu le troisième moment avec le contre-manifeste élaboré par l'Abaco avec Edmond Zezalandou, Joseph Kasavubu et Daniel Kanza Kingotolo pour réagir contre le manifeste de la conscience africaine élaboré par un autre groupe où il y avait Joseph Filéou et d'autres, même l'abbé Malula qui deviendra cardinal après, qui avait approuvé le plan Van Bilsen qui proposait l'indépendance du Congo après une période de 30 ans. Et contrairement à cela, les Bakongo avaient réagi à votre contre-manifeste en 1956 sous la conduite de l'Abaco, présidé par Joseph Kasavubu et avec son fondateur Zezalandou et les autres, et ont demandé, réclamé l'indépendance immédiate. Et c'est grâce à ces contre-manifestes, à ces démarches des Congo, des Bakongo unis dans le cadre de l'Abaco, que finalement ce pays accédera à l'indépendance en 1960. Et après cette période, le grand moment où les Bakongo se sont retrouvés de nouveau unis autour d'un projet commun, c'est en 1990 pour créer l'UNIBAS, qui était l'Université du Bas-Zaïr, devenue aujourd'hui l'Université Congo, après le changement de nom du pays. Et là, nous étions tous ensemble, les professeurs qui avaient pris à l'initiative du professeur Nson Savinda cette idée-là, nous qui étions des acteurs politiques, il y avait les acteurs sociaux, les responsables d'église, tous ensemble, venant des différents partis. À l'époque, j'étais dans les premiers conseils d'administration comme secrétaire rapporteur. Nous avions des frères et sœurs qui étaient
du impair. Mon aîné Auguste Kisombe, maman, ma grande sœur, maman Lissé Gina Kiabalema, qui était du MPR. Il y avait ceux qui étaient du parti du PDC, moi-même à l'époque j'étais du PDC, le Parti démocrate social chrétien, où nous étions avec un Benza Toubi, avec un Passi Atezo, notamment le professeur de, Kanza et d'autres, comme le professeur Lokoki Mavoka. Il y avait ceux de la DSF, le professeur Ngomangambu et les professeurs Loka Nekongo et d'autres structures. Nous nous sommes retrouvés là-bas, les structures catholiques. Il y avait les représentants de l'Église catholique, il y avait les représentants de l'Église protestante, notamment Louye et Louis Mas, il y avait le pasteur Kitikila. Et donc, tous nous avons mis nos énergies ensemble pour créer une société communautaire qui devait à la fois résoudre les problèmes de l'accès de nos enfants à l'université, parce qu'avec le système de quotas que Mobutu avait instauré, les places étaient limitées pour les enfants de certaines provinces, dont le Congo central. Et en créant cette université, nous avons donné les opportunités et nous avons réduit la menace d'alphabétisation ou de la sous-éducation de nos enfants. Et aujourd'hui, cette université a été et parmi les 10 ou 12 meilleures universités de notre pays. Notre faculté de médecine est parmi les meilleures, les 3 ou 4 meilleures de notre pays. Quand on a sélectionné les facultés de médecine qui devaient rester, continuer à fonctionner, l'université congolaise, notre faculté de médecine, était retenue parmi les 12 qui avaient été retenues. Donc, c'est une grande fierté, une grande fierté. Et à l'occasion de ce colloque, je disais donc que nous avions identifié les goulots d'étranglement du développement de notre province, aussi bien au niveau de la culture, de l'éducation que de la santé, donc des services sociaux de base. Nous avons identifié au niveau des infrastructures, notamment des infrastructures des transports et des communications, au niveau de l'économie, donc de la production agricole, au niveau de la circulation des biens et des personnes, de la production minière, de la production de l'industrie, du fonctionnement. Nous avons constaté que nous sommes en train de perdre notre compétitivité dans tous les domaines, notamment aussi bien dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la production agricole, dans les domaines de l'industrie qui est entrée même en phase de désindustrialisation et dans les domaines des entreprises. Et nous avons aussi des difficultés dans les domaines de l'électricité, dans les domaines de l'accès à l'eau. Et tout cela, nous avons proposé des recommandations et notamment la grande recommandation de produire un plan décennal de développement pour la province du Congo central. Ce plan décennal de développement doit être donc une feuille de route pour tous les dirigeants, tous ceux qui viendront à diriger la province, tant au niveau législatif qu'au niveau de l'exécutif, qui puissent avoir une feuille de route qui leur permette de savoir dans quel état ils trouvent la province au moment où ils accèdent au pouvoir et dans quel état ils vont le laisser, et que celui qui viendra ou ceux qui viennent après puissent poursuivre, au lieu que chacun vienne avec son programme. Et cela, c'est quelque chose qui a vraiment été accueilli avec une grande joie par les différents représentants de la communauté Congo. Et nous avons mis en place un comité pour travailler sur ce plan décennal. Et nous sommes encouragés aussi bien par le gouvernement provincial que même par le gouvernement national, où nous avons notre sœur Souminwa Toulouka, qui est aujourd'hui ministre national du plan. Et nous espérons que ce travail aura le soutien de tous et de toutes. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous l'avez suivi, vous venez de suivre le PCA de l'Université
Congo. Les grands notables de la province du Congo central, Monsieur Simon Mboso Kiamputu, c'est vraiment une icône dans cette province. C'est parmi les rares des personnes qui ont contribué pour que la jeunesse de cette province se retrouve à ce qui concerne l'université, parce que il a doté ces bâtiments durant plus de 33 ans, donc depuis l'existence même de cette université. Il a doté ces bâtiments pour que la communauté Congo trouve un endroit où leurs enfants peuvent être formés. Voilà, mesdames et messieurs, cette émission est purement culturelle. Aussi, nous sommes dans le développement et pourquoi pas le tourisme. Du côté développement, nous venons de suivre ce qui est l'importance de cette université. Hein? Quel est le rôle de l'Université Congo ici dans notre province et quel a été l'objectif de sa création et aujourd'hui, où en sommes. Donc, vous allez suivre dans nos prochaines émissions parce qu'il y a une grande cérémonie qui va se tenir le 2 septembre au niveau de Kisantu, à la périphérie de Kisantu, dans les sites de l'Université Congo où nous aurons vraiment la présence de beaucoup d'autorités et nous espérons que cette émission découverte sera présente pour que nous puissions voir et suivre toute la réalité de cette université qui fait l'honneur de tous les Né-Congo. Merci beaucoup au PCA de l'Université Congo, les grands notables Simon Mboso Kiamputu qui a aussi fait beaucoup de choses vers Malele. Vous avez vu la régie des eaux grâce à lui et beaucoup d'autres activités que je n'ai même pas pu épingler dans cette émission, mais que nous allons exploiter progressivement parce que il faut que nous puissions promouvoir et aussi parler de ce qui font le développement de la province du Congo central. Ceux qui soutiennent la jeunesse. Nous pouvons avoir un tournoi de football, mais ça, ce n'est pas du développement. Le développement, ce sont les actions qui restent, les actions qui contribuent pour des générations. Et voilà la personne à suivre comme modèle. C'est Simon Mboso Kiamputu. Merci à vous tous qui avez tenu bon à nous suivre à travers cette émission. Merci également à Fils Poudi qui est du côté de la régie. Merci à vous tous qui nous suivez dans le monde entier. N'oubliez pas que nous émettons à partir de la ville portuaire de Matadi, ici dans la province de Simon Kimbangu et de Kasavubu, c'est la province du Congo central. Merci à la présentation, c'était votre humble serviteur Willy Massosa. Portez-vous bien et à nous revoir à très bientôt. Au revoir. Bambang ya beto luzolo yakele mfuno mingi ya kutubaka ndinga ya bwala samuti yake kinkulu nange ebala baba kongo kya mbote kiedwe. Le président Tombro Singa, son excellence Mama Pauline Vibudulu Tamba, Yabusu. Mamou Masobene, Mamou Mangitu Kolo, Ekinkulu Kabamuta Kwela Sirikyo, Elu Santu Labakongo Mwela Yenda, Twa Ikini Natalu Luna Fila Mumbina, Dinga Kikongo Yeti Boba Madiakako, Dinga Kikongo Yifila Kani, Twa Longa Anga Bala Ndinge, Yoni Ndinga Yatu Sisi Labamuta Zetu. Don't know.